Trend Tendencia 650 SFDW. Donc une caravane, une grande caravane de 8,64 m hors tout. Donc on va voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc quand on entre, il y a un beau salon, hein. Un beau salon où on peut mettre beaucoup de monde. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 personnes, facile. Ici, il y a aussi l'espace, on peut même mettre un pouf, un tabouret ici. Et donc si vraiment il y a au fond encore de la place, c'est pas un problème. Hein. Les assises sont confortables. C'est ferme, mais c'est confortable. Il y a des gros coussins. Là, on est bien là. Et on a une vue sur le reste de la caravane. Donc ici, il y a un lit transversal un peu plus loin. Un peu plus loin, il y a aussi une salle de bain. Et ici, à proximité du salon, il y a la cuisine. Et donc, au-dessus du salon, il y a du rangement. Bon, le décor est pas mal, hein. C'est laqué blanc avec une bande marron qui doit rappeler le bois. Alors toujours ce système, par contre ici honnêtement il a l'air d'être déjà usé. Ça n'a pas l'air de tenir des masses quoi. Ici il a l'air moins usé. Mais celui-là on peut imaginer qu'au niveau du salon tous les gens ont ouvert, fermé sans arrêt ici. Et il est déjà usé. Si ça tombe ici c'est pareil. Ça a pas l'air de... Oui, ça a plus l'air de... Ah si, celui-là, il tient. Mais il y en a qui tiennent plus, apparemment. Donc, il y a une belle table. Hein. Donc, apparemment, elle bouge. Il y a un pied télescopique. Ça doit pouvoir se transformer en lit d'appoint, j'imagine. Donc, à côté du salon, belle cuisine. Alors ici, on a une cuisinière avec un four. Comme à la maison, hein. Ici, un four. Tedford Triplex. Alors c'est un four à gaz, j'imagine, un trois feux, ils ont mis, enfin comment dire, il y a un verre qui protège ici, et là c'est pareil, il y a un verre transparent, c'est sympa, qui protège l'évier. Donc il reste un plan de travail à côté. Donc trois tiroirs ici, grand couvert, grand tiroir avec frein on dirait, mais par contre ici attention, ça se dévisse aussi, vraiment un gros problème ça, ils sont tous dévissés là. Et ici encore un rangement sous le four. Je ne sais pas si j'ai déjà ouvert, non, les rangements au-dessus de la cuisine, ils sont grands, hein. On peut le voir ici, hein. Il y a du volume. Hein. Alors ici en dessous, il y a des LED, il y a un éclairage indirect, ici aussi, hein. J'avais pas fait attention, hein, mais c'est vraiment très sympa. Alors derrière la cuisine, un grand réfrigérateur domestique. Il s'ouvre des deux côtés, donc ça c'est pas mal. Hein. Beau volume. Et au-dessus, partie conservateur indépendante. Qui elle aussi. Est-ce qu'elle s'ouvre aussi? Oui, des deux côtés, hein. Donc, c'est pas mal. Un petit rangement au-dessus. Et au milieu du véhicule, il y a un bras télescopique. Un bras articulé qui permet d'orienter un écran télé vers la chambre ou vers le salon. Alors, l'espace jour, l'espace nuit et salle de bain peuvent être séparés. Et donc, on voit ici, c'est séparé. On arrive dans un espace nuit qui est somptueux. Ouais, on peut dire ça, hein, somptueux. Alors on a un lit qui est apparemment bon, belle dimension, belle largeur, mais il peut s'avancer, se reculer, on dirait. Hein. Vraiment, vraiment bien.
Et tout au fond, il y a une salle de bain privative. Alors, il y a des rangements au-dessus. Il y a une penderie ici, j'imagine. Oui, et du rangement. On peut faire le tour du lit quand le lit est en position comme ça. En position, je sais pas quel est le nom de cette position. En position relax. C'est pas en position jour, c'est en position repos, en position repos. Vraiment sympa, hein, ce lit. Bon, et pour faire les draps, quoi, c'est pas terrible. Mais bon, sinon, c'est sympa, hein. Et il y a une deuxième rangement de l'autre côté du lit. Hello. Donc, je vais faire vite pour finir parce que le monsieur, il a l'air d'être pressé. Donc, salle de bain à l'arrière, bagno. Et donc, ici, il y a un lavabo, il y a une toilette. Alors, il y a de l'espace, évidemment, ici, hein. Là, on peut dormir dans la salle de bain. C'est tellement il y a d'espace. Du rangement au-dessus, du rangement à côté, du rangement avec un beau miroir. Ici, au niveau du lavabo, du rangement et la douche, belle dimension. Une seule bonde, mais c'est pas grave parce que ça a l'air d'être bien réalisé. Et puis ici, confort, hein. Confort, on rentre facilement dedans. La hauteur, c'est 1m90 facile. Et donc, c'est pas mal. Et donc, voilà cette belle salle de bain. Ah, c'est pas mal. Hein. Allez, hop. Terminé pour la visite. Allez, hop.